Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Kito le Mécano. Alors aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo pour vous montrer comment déposer le filtre à pollen, donc le filtre habitacle d'un Fiat Ducato. Donc c'est un modèle 2012, donc qui se trouve au centre du tableau de bord, derrière le vide-poche. Donc il faut sortir le vide-poche et sortir la platine en plastique là, qui se trouve derrière. Donc il faut un tournevis Torx de 25 pour déposer tout ça. Allez, c'est parti. Donc déjà, on sort les trois vis du vide-poche. Une fois que les trois vis sont sorties, on sort la protection. Donc on tire vers le haut. Voilà, on tire vers le haut. Clac. Donc là, le plastique il est pris dans l'oreille. Comme ça, on n'a pas besoin de le sortir. Et ensuite, donc faut sortir la plaque derrière en plastique. Donc il y a une, deux, trois vis en bas, ensuite une vis sur le côté, une en haut, deux en haut et une autre de l'autre côté. Et il y en a encore deux en dessous. Et ensuite, on tire sur l'ensemble. Alors, la trappe du filtre à pollen se trouve ici. Donc, il faut prendre une douille de 5,5 en 6 pans et sortir les deux vis. Donc ensuite on lève les deux petits loquets qui sont en dessous là. Là et ici. Donc on les lève et on tire en même temps. Voilà. Donc voilà le filtre à pollen. Il se trouve là derrière. Donc on le retire. On tire vers le bas. Et on met le neuf. Voilà.
Donc on respecte le sens de la ventilation qui doit être marqué sur le côté sur le neuf et on le change. Donc voilà, il n'y a plus qu'à faire l'effet inverse pour remonter. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Donc n'hésitez pas à mettre j'aime, à liker sur ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Kito le Mécano et je vous dis à la prochaine vidéo.